Donc vous avez des problèmes à la banque. Il faut acheter un petit pot, tu vois, la crème de noisette, on en mange pas. La crème de noisette, c'est la crème de noisette. La crème de noisette, je l'ai jetée. C'était les bandes de peinture, il n'y avait plus que noir, rouge, du blanc. Regarde en bas, la crème de noisette. On l'a peint, toutes les voitures comme ça. Ah bah après on aurait dit qu'elle avait brûlé la voiture. Elle avait la même chose. Non, non, et encore moi. Arena. Oui, chef, c'était. C'est la journée. On va me regarder un peu. Mais tu peux pas garder les yeux. Les yeux tout vides maintenant. Non mais quel bête de l'emmener. C'est le gars qui est raciste. C'est le gars qui est raciste. C'est nickel. Alors ici vous êtes en Auvergne, à Bagnoles, 63, aux confins du Puy-de-Dôme, de la Corrèze et du Cantal. Alors comment j'ai atterri ici et comment mes enfants viennent d'ici puisque Manu est né à Bord-les-Orgues. C'est de savoir combien de temps le gâteau va tenir dans l'assiette. Ah oui c'est bon. Donc nous étions mon mari et moi, Luc et ma fille Cathy qui était née. Nous devions quitter Loches en Touraine parce que voilà la saison était finie. Jusqu'à là et moi j'ai toujours rêvé depuis l'enfance de l'adolescence de venir habiter en Auvergne parce que je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse. On fait une histoire ici. Je suis tombée amoureuse de ce pays. Oui. Donc nous sommes partis travailler en Vendée pour essayer de se faire des sous en saison. Moi je suis infirmière, mon mari était pâtissier. Lui a trouvé tout de suite du boulot en tant que pâtissier au Sable d'Olonne. Et moi, je n'ai pas trouvé de boulot au Sable d'Olonne. Et donc, on m'a proposé un travail en intérim à Bord-les-Orgues, à l'hôpital rural de Bord-les-Orgues. Donc, je suis venue travailler pendant 2 mois à l'hôpital de Bord-les-Orgues avec ma fille sous le bras, en laissant mon mari, le père de ma fille, en Vendée. Il nous a rejoints au mois de septembre. Et de là, nous avons cherché une maison. Nous n'avons pas trouvé tout de suite, évidemment. Nous n'avions pas l'argent. Nous avons habité pendant 2 ans au-dessus de Bord-les-Orgues. Et un beau jour, en se promenant, on a trouvé une maison à acheter, à Fouillat. Voilà, une vieille maison, une chaumière, avec un toit de chaume extraordinaire. On a rêvé. J'ai eu mon fils et voilà, on est resté pendant 6 ans, jusqu'en 81, en Auvergne. Après, je suis partie à Clermont-Ferrand et après, je suis partie en Isère et voilà tout. On est d'accord. Alors, dites-nous quelque chose de très important, très profond sur le 4e anniversaire. 40e anniversaire. Alors, comment tu fais avec le 4e et tu fais tous les anniversaires jusqu'au 40e? C'est toi qui me l'a donné, c'est pas moi. Ceci est la boîte pour Cathy. Un garçon, une fille. Ah. Oh. Ok. Il fait comme un lit, il se lève et il se voit. Hé Bernard, si on aime ni l'une ou ni l'autre, on fait quoi? Eh ben, il y a Bernard. Ah non, mais putain, ça caille. Enfin, quand même, je voulais vous dire que j'étais vachement contente que vous soyez tous venus voir. C'est vachement sympa, voilà. Et puis de revoir des gens que j'ai pas vu depuis longtemps, de voir comment ils ont grandi, comment ils ont... Oh là là, ça a changé tout ça, hein. Je suis étonnée, hein. Non mais allons, quoi, hein. Et puis, oh là là, il y en a, je les ai pas vus depuis, je sais pas, 23 ans, hein, quand même, hein. Quand même, 23 ans, ça a pas changé, quoi.
si vous dites. Je parle comme une vieille. Mais je suis vieille. Non mais attendez, non, non mais allô là. D'accord, j'ai pas connu la guerre mondiale de 78. Mais j'ai connu Codec, Bonne Nuit les Petits, Renan, Agen, Mammouth écrase les prix. J'ai connu Renaud Agen, j'ai roulé en 4L et j'ai roulé R14. En visa. En visa. En visa, hein. Ah non mais allons quoi, hein. Allons, non mais, hey, putain merde, je suis vieille. J'ai fumé dans les avions, j'ai fumé dans les restaurants, j'ai fumé dans les bars, j'ai fumé dans les balles, ouais, dans des balles. Les balles rondeurs, vous vous souvenez des balles rondeurs, hein. Personne n'a son wonder. Et quand même, et j'ai roulé sans casque. J'ai conduit sans ceinture. J'ai connu Michael Jackson noir. J'ai écouté Renaud sur mon Walkman auto-reverse. Il était prévu le week-end. J'ai embobiné mes cassettes au stylo. Quand même. J'ai écouté Renaud sur mon Walkman auto-reverse ou pas auto-reverse. Hein, quand même. Et puis. Qu'est-ce qu'elle va me sortir? J'ai regardé. Si, je suis vieille. Écoutez bien. J'ai regardé X-Files à la télé. Alerte à Malibu. Alors, je suis vieille ou pas vieille? 150. Et c'est pas tout. J'ai aussi eu ma période punk. Vous n'avez pas connu ma période punk? Enfin, quand je dis punk, c'était l'allure, là. Alors, je vous explique un petit coup, là. Long dessus, rasé dessous. Oh, t'aurais mis la tête à ma mère. Elle croyait que c'était le contraire. À gauche, à droite. Et puis j'ai porté des jeans made by myself. Alors, le jean, 300 épingles à nourrir. C'est bien ça, qu'il y avait plus d'épingles à nourrir que de tissu. Et ma mère était infirmière, j'avais pas cher. Et j'ai roulé à 180 sur l'autoroute et à 30 dans la dodoche de mon frère, 10 dedans. Et la dodoche de mon frère, attendez, je vous fais une petite parenthèse. Hein. Non, mais allô là. Alors, la dodoche de mon frère, c'est Mi qui l'avait relookée. Non, c'était tous les deux. C'est la cata. Tais-toi, toi. Imposteur. Elle était tellement belle, la dodoche de mon frère. Et ben, il se faisait arrêter par les flics pour l'admirer à tous les carrefours. Hein? Ouais. Et, je voudrais pas dire, mais... Quelques temps après, Citroën, vous savez comment il a appelé ses voitures? Picasso. S'il n'y a pas de la Cathy, là. Hein? Allons, ouais, quoi. C'était ça. Allons, quoi. Alors, je suis vieille ou je suis pas vieille? Je suis vieille. Et c'est pas tout. Parce que, enfin, quand je dis que je suis vieille, je veux dire que je suis dans la deuxième partie de ma vie, oui. Vous comprenez? Il y a des trucs, il y a des signes qui ne trompent pas, des indices, là. J'ai acheté une télé. Alors, la télé, c'est un peu comme la dodo chez la période punk, vous savez, des petites anecdotes comme ça. Parce que la télé chez ma mère, vous voyez, on la regardait et on l'avait en pointillé, à peu près 15 jours tous les 2 ans. Et puis, je suis vieille, mais je suis vieille parce que je vais vous dire, je fais des barbocs. Mais oui, on fait des barbocs. Et moi, je suis désolée, mais quand tu fais plus de barbocs que de ton soirée, t'es sur la pente descendante. Oui, parce que le barboc, c'est juste un alibi pour te bourrer la gueule. Parce que... C'est toi, ça. Et oui, et non, mais allô, là. Non, mais allô, là, quoi. Allô, là, quoi. À mon âge, on peut plus se coucher à 6h du mat. Alors, on se bourre la gueule pour oublier qu'on va vieillir, qu'on va avoir des rides, etc. Puis c'est vachement bien, les barbocs. Parce que tu fais ça à peu près tous les dimanches, tu vois. La nif des enfants des copines, du frère, des nièces, la chandeleur, Pâques, Noël,
le... Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et c'est cool, là, ça se passe comme ça. Alors, alors Cathy, tu viendrais pas faire une merguez d'espé à la maison Ah ouais. Alors, on est là, comme ça. On a... Qu'est-ce que vous avez dit pour les barbecues? C'est que l'hiver? Oh non, mais allons là, quoi? Les barbecues! D'accord, l'hiver, l'été! Mais l'hiver, ça s'appelle comment les barbecues? Hein? Des planchards! Ça, c'est pour les hommes! Alors là, alors voilà, t'es là, t'es cool. T'es chez les copains, chez les potes, chez les frères. T'es dans le canapé ou dans le. Bain de soleil à siroter, t'as d'espé, à écouter Muse ou Chaka Punk. Ah ouais. Et tu te dis, ouais, c'est quand même pas mal d'avoir 40 ans. On l'a sauvé. À mon avis, les Savoyards, ils ne peuvent pas gagner. Ils sont très faibles et je pense qu'ils n'ont pas le moyen de gagner. Ouais, mais dans leur... Hey, oh, je vous prie, madame. Mais je crois qu'ils ont une arme secrète pour eux. Ils ont le feeling de la boule de pétanque. Mais depuis du Dôme, ça c'est une sacrée équipe qui a gagné depuis des années. Alors... Ouais, regarde un peu là. C'est moi qui l'ai soufflé. Papa! T'es méchant, Bernard! T'es méchant!
pas voilà. Stressé. Papa, donc. Moi, ce que je voulais, c'était que vous parliez tout ça. Et bah oui, mais moi j'avais envie de me le faire. Voilà. Et non, et puis, merci à tous les gueudins qui m'ont voilà, fait cette surprise qui me met dans tous les états et qui m'empêche de dire les choses. Pas que je sorte, les mots ils sortent pas en fait. Voilà. Merci, je peux lui souffler. Merci. 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 Voilà. À l'époque, les arbres étaient plus petits.